Aïe aïe aïe, c'est la aïe aïe. Bon, fin de la première semaine d'août. Je voudrais essayer de récolter ma zone de culture de pommes de terre sous herbe, on va dire la plus prometteuse, et voir si c'est une nouvelle déception ou si on arrive à en tirer quelque chose. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais commencer par soulever des herbes qui sont maintenant sèches depuis longtemps. Juste comme ça. Alors, bon, il y a quelques patates, on va dire. Ça ne sera pas zéro pointé. On va voir ce que ça donne, si c'est des petites, si elles ont pris trop le soleil. Bon, elles ont le mérite d'être là, d'avoir bien poussé. Je n'ai pas plus arrosé que le reste, on va dire. Alors, est-ce qu'il faut retourner? Beaucoup de petites hein, comme dans ces cas-là. Ouais, là énormément de petites d'ailleurs, surtout des petites. Alors on dit qu'une grosse patate fait plutôt des petites patates. Alors je vais tout récupérer, quitte à revenir en planter plus tard. Ça va donner une petite idée du bilan. Mais là c'est vraiment une pluie de petites patates. Pour ça. Alors qu'est-ce que ça raconte? Quelques-unes un peu plus grosses. Il y a quand même des plus grosses. Donc quelques pieds qui ont échoué complètement, et puis d'autres qui ont, on va dire, été honnêtes. Hein, moi, je me satisfais bien de peu. Surtout, vu comment je suis doué. Alors, ouais. On continue la ligne. Alors là, à nouveau. À nouveau plein de petites patates. C'est marrant ces petites patates. Je sais pas si c'est le manque d'eau qui conduit à ça ou si c'est la taille du pied. Sûrement un petit peu des deux. Il n'y a pas autre chose, mais c'est très sec, donc ça reste très limité. Voilà, c'est des plus grosses, donc on va dire voilà, évidemment beaucoup de petites. Donc je ramasse tout, je fais pas le tri, je fais pas le tri. Il y a des trucs très biscornus, très original. Alors, on dirait très sec. Par contre, il faut que je déplace tout ça. Je vais le mettre ici pour l'instant. Du paillage. Alors, on va continuer l'exploration. Donc, à nouveau des patates. Donc, il y en avait un peu de partout, hein. Alors j'avais semé des patates pas forcément très belles. C'était des patates qui étaient en train de germer, donc voilà. Donc énormément de petites. Bon, de toute façon, même si je ramasse tout, il restera forcément. Ah là, là des plus grosses. Alors ce pied c'est plus par là.
bien. Donc bon, c'est vraiment facile à ramasser du coup, puisque les patates sont juste sous l'herbe, pas du tout enterrées. Là, je bascule de l'autre côté. De place des chais verts, ça fera peut-être du bien à mes tomates, ça fera du paillage. Ça c'est de la bonne terre, mais manque d'arrosage, manque d'eau, c'est criant. Voilà, on va continuer à avancer. Encore une petite pluie de petites patates. Alors c'est toujours sympa, à la poêle, revenu à la poêle, dans du beurre, c'est jamais perdu, même si ça peut paraître et c'est décevant. C'est que la récolte est facile. Hop, est-ce que je suis au bout? Encore des petites, il y en a partout des petites. Je sais pas si c'est des pieds qui n'ont rien donné ou si c'est des pieds qui se sont étendus. En tout cas, beaucoup de pieds qui ont donné plein de petites patates. Alors, je pense que même que le manque d'eau a joué son rôle, elle avait envie de faire de se reproduire, mais bon, elle a fait comme elle a pu avec l'eau disponible. Voilà, donc là, hop, toujours pareil. Voilà. Le sol est pas fin du tout, très grossier. C'était tout mon compost que j'ai utilisé pour ce secteur. Et voilà, beaucoup, énormément de petites patates, hein. C'est la conclusion du jour. Alors, l'origine de ça, on peut effectivement parler du manque d'eau avec la chaleur qu'il y a eu cet été, qui fait encore cet été. Il y aurait de petites pommes de terre. Voilà, hop. Ça c'est bon, et je pense que j'ai terminé le secteur. Hop. Voilà, bon, effectivement, au final, pas grand chose. Alors, donc il y a des petites patates qui restent un peu de partout, je peux pas tout ramasser. Voilà, hop, je suis remonté de niveau. Je sais pas si je peux replanter autre chose. L'idée, ce serait peut-être de replanter autre chose, même si la terre est grossière. Voilà. Et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Hop, hop, hop. Bon, ben voilà. Donc là, il y a quoi? Il y a 1 mètre carré, même pas, et un saladier. Bon, ça sera toujours ça pour les plats cuisinés, mais bon, on va dire pas extraordinaire. Voilà, soyons optimistes, mais pas extraordinaire. Allez, merci, au revoir.